Bon, je vais me concentrer, hein, donc faites comme si j'étais pas en live, hein. On veut un vlog qui arrive. Arrêtez, c'est pas fait encore. Allez! J'ai eu l'arc moi. Fuck. Je préfère l'alarme quand même, hein. C'était plus polyvalent. Chose qui m'a eu. C'est vrai que l'arme c'est quand même mieux, mais. T'as c'est parce que j'ai les mains froides, ça putain, ça l'a pris de voir quoi. Ça l'a pris. Ça je reconnais ça. Ça j'ai reconnu perso mais bon. Dites rien le chat. Dites rien mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah j'ai reconnu perso. Hein. J'ai reconnu le reste de Kindred là. Alors, c'est en 4 manches. Il va que je force, je l'ai pas fait encore, arrêtez. Oh, c'est la rame de la DS ça, non? Ah, c'est du pognon. Intéressant. C'est quand même vachement intéressant tout ça. That interesting. Surtout sur la map montagne quand même. Attends, pas quand j'en vois, ça c'est un top 1 ça. Putain, c'est un top 1 ça! Un top 1! Négatron c'est vraiment le pire item globalement. J'ai beaucoup d'upgrades. Beaucoup d'upgrades mais pas de direction claire je dirais quoi pour l'instant. Mais bon. On a quand même quelques bois. C'est vrai que le AFC est vraiment bien que stack Kindred hein, donc c'est un peu dommage. Pas sur un band ça fait le taf mais bon. J'aurais dû level up et mettre Vladimir, je crois. Je regrette. Je regrette de pas avoir level up. J'aurais dû level up. Ça fait dire que je dois cut Zira quoi. Je vais quand même gagner, je pense. Mais...
Ah la trèche ça touche tout le monde, ça fait chier. Il a pas d'upgrade remarque. Je pense pas trop, je pense pas perdre mais le trèche a fait des très très gros shields. Oh c'est bon ça. Nice, il en a fait qu'un. Ok ça va. C'est tellement con de pas avoir le bois parce que là j'ai full upgrade quand même. Trop dommage de pas avoir un bois. On est devant. J'ai une sortie pas mal hein. Maintenant il suffit de réussir à l'exploiter maintenant. C'est Jack à bois, full bois là au CMV. Un CMV qui a tous les bois. Putain. Chaud le Xavier. Je la veux pas hein. On joue à Bakinda avec la comp qu'on a là de toute façon. C'est baguette hein de toute façon. On est très content d'avoir baguette en vrai. Baguette ça m'allait bien. Ça m'allait bien baguette ici. Ok. Je peux faire Yonix Park. Discuter après, est-ce qu'ils ont veut jouer c'est à la fin. Ah Tony va me battre fuck. Il a Zira, il est trop strong tout. Bah il a bois en fait et j'ai pas bois quoi. Donc fuck my life quoi. Ah c'est tellement con de pas avoir vu de Leblanc. Bon c'est con. C'est dommage ça hein. Bois et Zira 2 ça donne trop d'impact par rapport à moi, trop d'avantages. C'est con ça. Ah, un petit shield. C'est mort. Ça c'est couillon ça. Dommage. Dommage. Pour le combat. Un match nul, très bien, ça me va. Plus de win-streak comme ça. Tout le monde a joué cette compo quoi, je suis pas à l'aise avec cette idée de jouer ça. Ah c'est con là cette fucking Leblanc quoi. C'est dommage. Mais contre Gotha. On est devant. C'est à partir pour une game serrée, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont combien touchés. C'est plutôt une game high roll pour la plupart des gens, j'ai l'impression. Ça veut dire que c'est une game où on va certainement perdre deux mecs très vite et qu'il y en a pas mal qui vont rester assez haut PV quoi, parce que ça va faire des matchs assez serrés. Mais ceux qui n'auront pas high roll, ils vont mourir très très vite dans cette game, je pense.
Tony il est chaud là. Il va faire une grosse win streak là derrière je pense. Oh ça c'est vraiment 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 huge ça comme upgrade. Bon je tourne pas de le blanc mais tout va bien. Je vais rester comme ça, je pense que ça passe. Hein. Alors. Que Diana, hein, je crois pas. Ah ouais, cette Leblanc à la place de. Je sais pas, genre de Thalia, ça aurait été très fort là. Mais la Syndra, elle va être un. Elle va être vraiment bien. Hein. Elle arrive vraiment au moment opportun là pour le coup. Hein. La Synodala. J'aimerais bien un Morello là. Kindred. Allez, un item. Allez, un item. Ok, j'ai un Morello. Bon, je suis assez content du coup. Hein. Plutôt propre ce qui se passe actuellement dans cette game hein, quand même. Bon, je pense que je vais le switch maintenant, je pense. Hein. Ah ça me fait quand même un gros nerf hein. Non c'est mort. Ça me fait un gros nerf hein. Ça me fait plus de thunes mais ça me fait un gros nerf de ma compo quoi. Donc je suis vraiment pas chaud quoi. Par contre j'ai laissé Nautilus. Parce que comme ça il commence à stack les PV. J'aurais peut-être pas dû par contre. Parce que je perds druide du coup. Ouais je sais pas. Si je gagne c'est worse, si je perds ça fait chier. Si je gagne c'est que c'était worse. Si je perds ça fait chier. Globalement. Ok c'était worse du coup, parfait. Est-ce que je rentre ma Okai ou pas? Ou je le vends? Non, je vais quand même le garder, je crois. Hein. Je sais pas. J'ai pas eu montagne early, ça devient moins intéressant. J'ai pas besoin de roll, je pense en fait. Hein. J'aime pas, je pense que c'était worse de faire ça j'imagine. J'ai pas besoin de beaucoup roll là, hein. J'ai déjà pas mal de grain. Hein. Yep. Parce qu'il me semble qu'on a pas besoin de beaucoup roll dans cette game. Je peux acheter Vlad. Merci. Ok. Ah la question c'est à quel moment je passe 7 quoi. Si je suis en win streak après le carousel on passe 7 je pense. Et je rajouterai les océans. J'ai encore tempo un tour. J'ai encore tempo un tour comme ça. En espérant gagner, on est contre Cruor. Qui a Syndra 2, Thalia 2, qui a Montagne. Mais qui a 2 Qiyana, qui a 2 Qiyana 1 quoi. Ça a pas l'air ouf quoi. Je sais que là le blanc soit pas. En fait, j'ai enlevé Assassin le blanc en lui donnant RFC. Je le savais, mais j'avais personne d'autre à qui le donner en fait. J'aurais pu donner à Hiverne en vrai. C'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. Ah, je suis mort, fuck. Dommage. Dommage de perdre ici. Ah, ça dépend si ma Thalia refait un ulti. Ah, elle a parfait ulti. Ma Thalia, ma. Je me trompe dans leur nom. Ma Syndra refait un ulti, mais non, dommage. Cruor est en win streak du coup. En plus, je lui ai laissé une win streak, ça fait chier. Et je suis last pick en plus dans tous les cas, donc ouais, c'était vraiment une mauvaise opération cette histoire quoi. Le classement final se dessine, c'était bâtard. Ils font mal les carousels l'année dernière. Quand même.
Du coup, je pense pas que je level up comme j'ai. Comme j'ai pas de win streak. Oh, le bridge est huge quand même. Je level up comme ça, je pense. Je vais roll après les loups. Le braid est vraiment cool hein. Ça fait océan 4. MV a sorti une Lazus 3. Putain quel homme quoi. Par contre on joue tous océan quoi. On joue tous la même compo là quasiment. Fuck. Fuck it. Il y a Jahn, il y a... Putain, si ma Syndra a des bons ultis là ça peut être cool là. Ouais elle a calé des ultis, elle a fait qu'un ulti, fuck. Non, je vais perdre contre la Annie dans ce genre de matchup en early quand elle arrive, c'est fort quoi. Je pense que ma Syndra a un double ulti, ouais, elle a un simple ulti à chaque fois quoi. J'ai level up pour perdre quoi, eh ben. Ah la Syndra a un double ulti mais trop tard malheureusement. Trop tard pour le double ulti. Le monde va être dur à trouver, c'est ce que je me dis quoi. J'ai peut-être un roll maintenant parce que ils ont pas encore roll les autres quoi. Pas le faire, je pense. Bah, j'ai ni Brand ni Annie ni Yorick quoi. Pour l'instant. Il joue la compo. Ok. Intéressant. Interesting. Il ouais, y a moins de RNG sur ce TFT là. Bjorn, ça va. Même si on avait, je trouve qu'il n'y en avait pas beaucoup sur le sud avant non plus mais. Ok. Je pense que je perds là. Bonne chance. J'ai perdu 3 failles de suite alors que j'avais quand même pas mal investi. Full sum. Bah Syndra a fait full un seul ulti à chaque fois quoi. Si elle calme un double ulti là ça fait trop mal là. Ah elle en refait hein, encore. Elle fait jamais double ulti, fuck. Mais là le Ezreal il est fort hein. Elle a fait encore un seul ulti. Elle a fait uniquement un seul ulti. Et Vladimir fait. Ah Vladimir en a fait 2. Ok j'ai gagné de peu, putain. C'est pas grâce à la Syndra hein. Même s'il a fait 3500 dégâts, quand même. Quand même, hein, quand même. Cruage, Yorick 2. Super. Très content. Très content. Très content. On va dire que j'ai mis très vite les bons persos sur montagne, ça c'est quand même un bon gros up ça quand même par rapport à d'autres qui l'auront pas fait. Mais bon. Deuxième RFC. J'ai un grand, c'est pas fou. C'est druide du coup évidemment pour l'instant. Merde, c'est vrai qu'il a déjà l'item. Ah putain c'est peut-être mieux sur un Yorick en vrai potentiellement. Ah je sais pas où il lui donner, fuck. MV il est encore level 5 MV. Ah mais il a hard roll les lights pour ça. Ouais, ah, il a plus de thunes, il va avoir du mal là. Oh j'ai Z. Putain nice. Ok bon je vais juste fouler quoi du coup. J'ai plus beaucoup de rôle là, je suis un peu un canard. C'est sûr, mais ok pour l'instant. Alors le problème c'est que j'ai pas setup de stuff pour Z.
Mais bon. Ça se trouve quoi. Oh, je suis défoncé putain. Je vais détruire par Cottail là. Il était un. Ok. Ah, ça me coûte cher les namis hein. J'ai jamais à toucher level 2 en plus, ça va être trop marrant quoi. Ça coûte super cher ces conneries. Crueur qui a trouvé Brand 2. Le problème c'est que Crueur il a Brand 2 et Yorick 2. Crueur il est trop bien. Il va le rentrer je pense quand même. Il tempo bien, il a l'item mage en plus, ouais, il est bien Crueur putain. Là j'ai un timing vraiment très très faible là. Après j'ai beaucoup de PV donc je peux tenir 3 fights je pense. Okay. Oh, j'ai pas Yorick, je vais prendre Zira. Même si j'espère que je l'utiliserai pas. Pff, ça va être dur. C'est vrai que j'aurais. Ah, après, c'est que si j'attendais pour faire danseur fantôme, j'avais deux arcs qui servaient à rien toute la game quoi, c'était horrible. Non, le défaut c'est que j'ai eu 4 arcs dans la partie quoi. 4 arcs c'est quand même pas fou quoi. Ça va nous coûter cher d'avoir eu 4 arcs je pense. Dans cette game. Malheureusement. Ah, j'ai pas tué Qiyana. Ah, c'est la merde un peu quand même. La bonne nouvelle c'est que je retrouve avant-dernier pic. C'est un peu la merde tout de même là. Putain, vas-y, j'ai 2 Z. J'ai 2 Z et 2 Nami. Ah, ça rase quoi. Ça va être chaud, hein. Ça va être très chaud. Ah, je joue la gagne là. Hein. Je joue la gagne là. Je suis en train de jouer le top 1 là, hein, clairement. Oh, pas mal, pas mal Shogun sur Mokai. Sachant d'être Maître Yi 2 et Kindred 2. Ah, il avait pas Kindred 2. Ah bah, vie ma vie. Là, il est bien Shogun, il peut quand même back un peu là. Avec ce qu'il a trouvé là. Je préfère le pas le croiser maintenant d'ailleurs. On est contre Gotha. Gotha qui est Olaf 2. Ah, je vais prendre cher là, fuck. Ça va être un fight de mort ça hein, pour moi. Le problème c'est que le Brand est toujours level 1 quoi. Très bonne utile Nami cela dit, mais bon. On a un problème de Olaf quoi, et comme mon Brand est toujours level 1. Oh, je vais même pas tuer le Olaf. Ah, oh, si quand même ça va. Un peu cher. Hein. 40 HP. C'est pas une game de la grille là. Ok, ça paye à peu près. J'ai Nami 2. Mais bon, Nami 2 ça suffit pas à solo carry quoi, on va dire. Il faut que la compo autour soit propre quoi. Ah, on a fait la game de la grille, là espérons que ça paye. Hein. Ah, je compte Cruor, il a trop d'upgrades, ça va être trop dur ça. Après, il a pas de bon stuff Cruor, putain la vache. Il a eu des coups de main de Nico, c'est pas possible. Il aurait pas eu Yorick 2 sitôt sinon je pense. Ah, mais la Nami a beau être 2, elle est quand même pas foufou là à ce moment-là de la partie, hein, ce stade. Hein. Putain. On va faire un Yorick 2 qu'une Nami 2 à ce stade, je dirais. Bon allez, on espère que ça va passer maintenant. On a mangé notre pain. Si je trouve mes upgrades, ça le fait je pense. Hein. Faut trouver Brand et Z idéalement quoi. Je peux mettre. Si je mets gants à Z, on est d'accord que ça gardera les gants et pas la ceinture. Ouais, je crois. Oui, c'est bon. Bon, idéalement, faudrait un coup de main de Nico, quoi, quand même. Ce serait pas mal, idéalement. Parce qu'à 26 HP, fou.
pense mal hein. J'ai des stuff vraiment moyens quoi. Ah ça va, ça se passe. Alors ça a bugué putain, fuck. Oh, ça a bugué, je veux crever quoi. Je sais pas ce que ça m'a gardé du coup. Je veux mourir. Putain, ça a bugué, putain, fuck. Ah putain, mais vas-y, c'est plus une bêta le jeu. Bon bah peut-être que je suis lag. Je sais pas encore si je suis lag ou pas, mais. J'ai décidé que là, là. Oh, si ça laisse que la ceinture, je suis tellement deg. Ah, oh, je suis tellement deg. Ah, oh, pire jeu quoi. Bon, pire jeu. Ah, oh, je suis tellement deg. Putain, c'est pas possible. Non mais vas-y. Tant pis, c'est le jeu. C'est le jeu, il faut s'adapter à la conjoncture hein. Consiste à nous niquer. Ah, c'est dur. J'avoue que c'est dur là, comme bug. J'ai pas eu le bug. Alors, regardez les replays si vous voulez. Attends, je suis concentré. Super stuff de Yurik en tout cas. Ouais, mais là le Z est nul du coup en fait. Je suis trop deg. Et Mani est level 1 quoi. Ouais, je perds. Ça change tout hein, parce que mon Z s'il a du stuff, c'est autre chose quoi. Ça change tout à la game quoi. Un peu deg quand même. Hein. Un peu deg. Un petit peu deck quand même. Bon. Sans le rip hein. Je suis mort. Putain, fais chier. Nanami a même pas ulti. Si quand même elle a pas ulti mais. Putain, je suis deg. Sixième. Enfin, dommage. Ça, franchement le bug il change tout mais tant pis. C'est le jeu. Change tout parce que si le Z a deux items à chaque fois, bah les fights à trois items ça se passe beaucoup mieux qu'une ceinture quoi, mais bon. Ah, les choses qui meurent juste après, ah fuck. Ah dur. Commence mal hein. Ça commence très très mal. Fuck fuck fuck. Alors ça sort la Creuse et pas les Caraïbes ça, moi je vous le dis hein. Bah non mais là il y avait un bug de ouf mais en vrai on s'en tape, c'est pas grave. Go next. Go next, go next. Il devait se passer quoi? Bah normalement ça aurait dû virer la ceinture et pas le gant du voleur quoi. En gros. Et là déjà il y a eu un fight où il a eu zéro item. Enfin il a eu genre tout totalement bugué. Et enfin c'est un bug de ouf quoi. Je vous montre si vous voulez. Après c'est le jeu, ça aurait pu arriver à tout le monde quoi. C'est pas très grave. Regarde là en gros. Je vous montre. Tac. Oh là là. Dommage. Je vous montre vite fait. Tac. En gros regardez. Au moment où je donne, donc là vous voyez je donne exprès à mon Z gant du voleur, vous allez voir. Et je vais le nico et normalement c'est le gant du voleur qui aura la priorité. Donc là il y a un premier bug où il n'y a
plus de gants du voleur et la ceinture se met au milieu. On sait pas pourquoi. Donc là, premier bug, il n'y a pas de gants du voleur. Et là, derrière, ça a enlevé. Et là, hop, ça m'enlève le gant du voleur à la fin du fight et ça laisse la ceinture quoi. Ce qui est un bug. Dans le pattern du jeu, c'est l'item qui aurait dû avoir la priorité. C'est l'autre item qui aurait dû avoir la priorité normalement. Mais voilà. Donc j'étais très content du coup. Et ça change quand même tout à la game pour le coup, mais bon, tant pis. C'est le jeu. C'est pas grave, si ça fait chier du coup. Mais bon, ça aurait pu. Ça peut arriver à n'importe qui, un bug. On est tous au même niveau. Hop. Ta-da. RT quand même. RT, ouais. Ah, oh, côté il est chaud, hein. R des idées tristes. Du coup, j'ai gagné 2 points, du coup. C'est pas bouffe, 2 points. Hein. Parce qu'en plus, il faut vraiment pas faire de mauvaise game. Hein. En gros, j'ai marqué 2 points et le quatrième marque 6 points, par exemple, quoi. Et le premier marque 10 points. Il va falloir se rattraper, hein. Il est chaud, Gotha, hein. Il est chaud. Il y a des dollars qui défilent autour des. Yep, c'est pas grave, c'est pas grave. Faut se reconcentrer. Enfin, oui, la Kindred la prochaine. Ah, Sean, il a joué Kindred là. Ah, j'ai pas eu du tout une game Kindred la game d'avant là. Oh, Gotha, il a chopé un coup de main de Nico. C'est la fête, hein. C'est pas mal. Ça veut dire coup de main de Nico, ça va pas beaucoup l'aider là en vrai. Hein. Bon. Ça va pas beaucoup l'aider. Il est déjà 9, il a tout là. Il a tout, il a tout. Ratoon qui a eu le Nocturne 3. Aïe aïe aïe. Lux 2 pour Jay. Ah oui, Jay il a 6 océans en 3 invocateurs. Très bien. Très bien, très bien. Passons mon moment. Hein. Ah, du coup, il rentre foudre Jay. Ok. Il va stuff le. Ah oui, il se met bien là. Hein. Il se met pas mal là. Il a cut match pour rentrer foudre à la place. Ouais, Jay il va faire une bonne game le Jay là, je pense. J'ai l'impression qu'il est bien là. Ah, le Nocturne 3 est quand même en train de faire mal. Ah, non, le Nocturne 3 a décidé que. Le Nocturne 3 et la Kiana 3 ont décidé que ça serait non pour Jay du coup là quand même. Hein. Gotha a pris cher sur ce fight. Ah, j'avoue que Toon là il a l'air quand même pas mal là quand même. Hein. Dans ces circonstances, ça a l'air fort là. Ah, Kruok a trouvé Brand 3 pour l'instant. Le Kruok a trouvé le Brand 3. Tout va bien. Tout va bien. Et contre le fantôme. Et on va suivre Toon contre Gotha. Toon il va le découper, il n'y a pas de danseur fantôme. Il va le découper je pense. Sauf que le Olaf a pas les meilleurs items quoi. Il a pas pu faire les meilleurs items quoi. Donc, il va le démonter, clairement. Oh là là, énervé le Nocturne mon dieu quoi. Ah putain. C'est trop là. Et voilà, c'est tant Kruor qui est tombé sur. Bah, qui est tombé sur le fantôme de Toon. Hein. Et Kruor a été tué par le fantôme de Toon en fait. Donc Toon a double kill en fait là actuellement. Bon du coup on est 6ème pour l'instant hein.